Salut les gens, c'est Soy Cool, Little Gecko and Friend, j'espère que vous allez bien. Et je voulais simplement faire l'émission secondaire, en fait, les petites quêtes secondaires avec vous. Tout simplement. Je croyais que c'était un peu plus. Que ça serait bien mieux. Parce qu'il y en a certaines qui vont être intéressantes et. Pour moi, c'était un peu bof de. De jouer un peu plus d'une demi-heure sans commenter pour vous. Voilà. Toi, ferme ta gueule. Voilà. Aussi. Donc là, je dois simplement libérer ces esclaves. Et donc toi, tu vas alerter personne. Dans le... Dans la plus grande furtivité possible, inimaginable. J'ai fait une petite quête à la dague, mais c'est une quête qu'on avait déjà fait au début du jeu, vu que j'ai perdu ma sauvegarde, rappelez-vous. Ouais, mais voilà. Bon, j'ai pas fait l'objectif bonus. Donc, bon. Attendez, je vais mettre en plein écran, les gens. Mais voilà, je sais pas du tout comment... Attendez. Les touches sont un peu buggées, bizarrement. Oh, oui, j'arrive. Je sais pas, des fois j'ai mes touches qui bug parce que en fait le jeu est en. Est en fenêtré, bizarrement. Formateur. Ouh, c'est un nouveau type d'ennemi ça. Si vous avez pas eu le temps de lire. Eh bien simplement mettez pause. Et allez lire. Donc là on a une petite mission à la dague. Je vais aller faire tout de suite. Salut monsieur. Au revoir monsieur. Ah, j'adore, je trouve ça bien bien mieux de jouer à clavier souris. C'est bizarre pour un jeu comme ça, mais je trouve ça bien mieux. C'est vrai que là, on a démonstration de pouvoir, sa réputation grandissante, sur un BTM, organisable, blablabla. Ok. Un petit truc à la dague, puis on a encore un truc des exilés. Et ça va être une vidéo d'une demi-heure. Ça fait même pas 3 minutes que je filme. Ça. Faut étaliser le garde. Que ça compte comme un truc furtif, ça. C'est cool. Non, ça compte pas comme un truc furtif. Mmh. Dommage, dommage. Sachant que j'ai plein de myriants, je réfléchis à comment les utiliser. Ah, que je me trompe pas dans les touches, il y a tellement de touches. Tac, je vais garder là. 5 Uruk. Ah. Brutaliser. Enfin, juste à tuer furtivement. J'espère que ça va être possible. 3. Il y en a un quatrième là-bas. Il y a encore un archer. Non, il y a encore 2 archers encore. Cool. Allez, je sais que tu peux grimper. Je peux pas grimper. Voilà. Comment je fais ici? Je fais comme ça. Ouais, allez, je vais juste l'exécuter. Je fais le drainage furtif. Ça me forcera à aller exécuter un autre mec furtivement. Voilà. Je le tue. Et lui, je le brutalise. Cette violence. 50 myriens en bonus. Ça fait toujours plaisir. Sachant que j'ai upé d'un level. Et je me suis procuré... quoi? Ah oui, les menaces de mort. Menaces de mort que vous ne savez pas ce que c'est. 25. Oh. Je vais voir ça juste après. Ça m'intéresse. Ça fait des points de pouvoir. Donc l'alerte est donnée. Je serai parti d'ici bien assez tôt. Bon, la quête était assez facile. Assez rapidement menée. On peut grimper par là. On peut pas grimper par là. Logique. Des fois, le jeu, il fait frustrant. J'ai bugué, excusez-moi. Le jeu est des fois frustrant à ce niveau-là. De savoir, où je peux aller, où je peux pas aller. Personne à tuer ici. Non. 3 éliminations aériennes.
Ouais, je pourrais éliminer lui. Puis remonter. Lui l'attire vers là. Je sens quelque chose. Juste là, je l'attire le mec. Ouh. Voilà. Oui, je ne le connais pas, mais je vais vous montrer alors ce que c'est qu'une menace de mort. Non, une prochaine fois, je vous montrerai ce que c'est qu'une menace de mort. Ils n'ont pas déclenché l'alerte, ce qui est quand même pas mal. Tout frappe de l'ombre, cool ça. Donc lui, il vient de mourir. De façon très très nulle. Pendant que là, regardez ce que je fais. Il me reste encore assez de flèches. Voilà. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Je suis un raptor. Il a perdu de vue. Voilà. Et la troisième élimination aérienne. Maintenant, je vais aller rusher pour sauver les esclaves. L'alerte n'a pas encore été donnée, je crois. Ouh. Mais ils m'ont vu. Et lui, je peux pas l'éliminer normalement, malheureusement. Allez. Ah, j'ai cru que le pouvoir de la cinématique aurait pu m'aider sur ce coup-là. Pendant que je suis un peu dans une très mauvaise posture. Heureusement qu'il me reste une flèche. Une esclave à rien, bien sûr. Et un 3 avec bouclier, c'est chiant. Ah, mais enculé! Là, j'ai réussi. Allez. Et boum! Voilà. Il faudra que je touche le drain. Et voilà! Ah non, il ne fait pas. Mais après les avoir drainés, on peut repasser en furtif. Bon, max XP. Parce que tuer un orque qui est terrifié, donc juste après l'avoir. Ouais, mais juste là, ton pote, c'est vrai. Dans ce qu'elle est le plus proche. Je sais pas. C'est super fort. Me soigner. Je crois que ce Caragor se baladait librement. Ah, mais je vais l'aider à se balader librement, ce Caragor. Non. C'est là. Allez. Voilà. Voilà. Ça va m'aider un peu. Heureusement qu'il n'y ait pas trop de chasseurs. Merde, a trompé de touche. Cet enculé, il m'a fait tromper de touche. Je suis en train de bugger totalement là. Mais vivement que je puisse monter les Caragors sans avoir besoin d'être en hauteur. Ce sera une compétence que j'aurai bientôt, j'espère. Vu que c'est une compétence de level 2 quand même. Espace, là c'était espace. Voilà. Donc, il est en train de prendre cher là. Salut monsieur! Allez! Miam 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 miam. Tu fais tellement de monde! Heureusement que j'ai la rune qui me permet d'augmenter mes dégâts quand je suis à d'autres Caragors. Parce que là j'en ai vraiment besoin. Quoique un autre Caragor me sera utile. Ah l'enculé, j'ai pas un double! C'est quand tu es dans une situation de ce genre. Putain, il y avait des berserkers, bien sûr. Il me reste une flèche. Salaud! 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 Ah.
Ah, enfin. J'ai paré dans le vide. C'est un berserk celui-là. Il était de deux, il a pas pu me parer. C'est tendu, ça devait être juste une simple mission. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ah bordel, en berserk. D'ailleurs, les chefs de. Enfin, les Captain Berserkers sont pas mal. Je voulais même pas parer. Gueule. Voilà. Respect. J'aurais dû faire ça en fait discrètement, quoi. Voilà. Ouh là là. C'est compliqué. Je vais essayer de tirer eux-mêmes dessus. C'est cool ça. Allez, faudrait que j'augmente encore mon combo. J'essaye d'éviter ces enculés. Avec leur javelot. Et vu que mon compteur est passé à 30, j'ai gagné full vie. Ne vous questionnez pas sur le réalisme de cette situation. Quel est l'enculé qui m'a touché avec un javelot? Je suis en train de perdre là la. J'en ai toujours plus qui arrive. Ils sont pas à côté du truc de grog. Non, faut que je les emmène à côté du truc de grog. Toi. Emmène-moi-y. Allez. Ah oui. Voilà. L'esclave doit regarder ça et de me dire « Mais putain, quand il va me sauver cet enculé ?» Allez, prends ça. Ah ouais, j'avais oublié ça. C'est vraiment les plus chiants à niquer, celle-là. Attendez, pendant que je reçois un message. Je m'en fous de. Putain. Maintenant que je viens d'avoir un smartphone. Jamais. Je reçois des tas de notifications de trucs de mise à jour de merde. Ah là là. D'autres ont besoin de vous. Oui. Trouvez-les, je vous en prie. Putain. Oh putain. On va y arriver. Combien de temps que je filme? Je regarde mon timer. 10 minutes. 10 minutes que je filme. Ça passe vite. Nos guerriers méritent davantage. Toujours le berserker qui en grogue. Je connais un peu la hiérarchie maintenant. Les berserkers sont favorisés. Tu m'étonnes, hein. Tu vois ce qu'ils te font au gouffre de Helm? Tac 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 tac. Il y a des flèches là-bas à récupérer. Je peux le faire. Où sont les flèches? Où sont les flèches? Où sont-elles? Elles sont en haut, je présume. Quand tu veux, tu montes, rôdeur. Ouais. Et comment atteindre ces combats? N'a-t-il pas un ennemi proche? Non, pas d'ennemi proche. Et c'est... Si, il est... Non, c'est pas une tyrolienne. Ici n'est pas une tyrolienne. Ah, c'est quoi? Ça, c'est proche. Ces goinfres de Bob se sont déjà tout enfilés. Allez, lâche ce truc, merci. Profite, allez, vite fait. Donc ils arrivent. Génial. Mais pas besoin de savoir les détails. De ta détention. C'est l'épisode du bug. L'épisode où je n'arrive plus à parler. Mais bon. Je suis content, on en a fini avec cet endroit. Je n'y reviendrai plus jamais. Oh, je
J'ai pas envie de faire ces quêtes. Non, monsieur. Je vous draine un peu. Pendant que ton pote ne voit rien, j'aurais peut-être dû le brutaliser en fait. Et l'œil de la vengeance. D'ailleurs, j'hésitais à prendre les flèches enflammées, mais je me suis dit je vais assez peu les utiliser. Ouais, considère ça comme move portant, ça. Mais elle est simple, celle-là. Bonjour, monsieur. Putain. L'XP gratos, quoi. Personne dans la tour, dommage. J'aurais bien voulu m'évader par là. Ce qui manquerait, ce sera un ocarina pour appeler Epona ou un truc comme ça pour bouger plus vite, mais je suis vraiment... Oh, il y a plein de trucs que j'ai pas encore découvert de ce côté-là. Oh, là. Interroger, même si je pense que ça ne servira à rien, et vous allez voir que voilà, l'option menace de mort est disponible. Mais je le montrerai quand ça... Oh, quoi que... Ouh, il y a de nouveaux chefs de guerre. Oh, il y a de nouveaux chefs de guerre. Retour. Oui, je peux faire un retour, génial. Il n'y a plus Ratbag, d'ailleurs. Alors, force de 8, pouvoir 3. Ouais, prendre celui-là. Avec un pouvoir de 8. Seuls les capitaines, hein, je suis bête. On va pas faire de menace de mort, alors. Juste avoir des informations sur ce perso. Je peux pas? Bon. Détail. Entrée? Non. Espace? Non. Ça me donne. D'accord. Je ne pouvais pas. Prends toi t'as un pouvoir de 10, je vais te marquer. Putain, le mec. Captain vétéran, mais il est en première ligne. C'est pas logique. Ah. Ça va m'éloigner de toute cette zone. Alors, il y a une... Un truc là. Là, c'est pour sortir de la zone, d'accord. Quoi qu'il y ait une nouvelle zone, je ne vais pas explorer avec l'artefact. Donc, les zones. Et pendant qu'il y a de nouveaux trucs, putain, qui se font, là. Ça m'énerve. Ça n'en finira jamais. Capitaine d'élite. Allez, je te marque. Je ne te respecte pas. En fait, ça va être un épisode normal, les gens. J'ai voulu rusher, mais... Ils n'échappent pas à notre destin. Par cette rune... Je crois que... Enfin, cette rune, cet artefact... Je crois que je ne l'ai jamais ramassé. Rouage d'excavatrice. Enfin, je l'ai trouvé. Ce rouage a été craché par l'une des grandes machines de guerre Uruk, sûrement une escalatrice. Et à mesure que les Uruk s'enfoncent dans le Mordor, ils déchirent la terre à la recherche des ressources nécessaires pour alimenter le gigantesque port de guerre de leur seigneur des ténèbres. Blablabla. Tenez, j'ai trouvé ça, Udo. Qu'est-ce que c'est? Ils ont des machines, vous voyez? Et avec, ils creusent partout, Udo. Cette chose déchire la terre. Et ensuite, les esclaves piochent dans tout ça. La boue et l'argile, ça va dans les fours. S'il trouve du métal, il part directement aux forges. Il retire tout ce qui peut servir. Et s'il trouve une arme ou une pièce d'armure ancienne, il la donne aux Urukai, les gros balèzes. Peut-être pour les étudier ou les porter, je sais pas. Ils sont en mouvement, pas de doute. Nous devons découvrir ce qui se passe au Mordor. Nous y avons d'autres yeux, mais les vôtres sont affûtés. Vous nous servez bien. Ça remène. Retournez là-bas et tenez-nous informés. Le conseil ne doit pas avoir vent de vos actions.
Ne vous faites pas prendre. C'était Saruman. Pendant des années, on est resté. Attendez. T'es en haut de la porte noire à surveiller le Mordor sans rien voir. On était endormis. La marche meurtrière des machines de guerre du Seigneur des Ténèbres nous réveillera. Il faut les détruire. Voilà. Qu'est-ce que je fasse ? Murmure mortel. Ça paye pas beaucoup. D'ailleurs, ça fait 20 minutes que je filme. Donc, ne vous faites pas peur. Ça fait mieux. Le mieux, c'est de faire... pas monter par là. Alors, comment faire? Non, 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 non. C'est ça. Allez, 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 allez. Viens par là, mon petit. Et de 1. Là, qui va pas me voir. Deux. Trois. Enfin, faut foutre qu'un plutôt. L'homme qui ne savait pas quoi. Voilà. Où êtes-vous? Ça marche. Point de compétence. Cool. Et voilà, menace de mort. Donc je vous lis un peu ce que ça fait. Voilà, les menaces de mort améliorent grandement les chances de perte d'une rune épique par les chefs de guerre et augmentent de 40% les chances que les capitaines en abandonnent également. Votre général en pouvoir et acquiera une bande. Enfin, des mecs pour les protéger. Donc, soit je fais détermination, ce qui est assez cool, ça fait qu'un mec peut me toucher, mais je garderai mon bonus, soit je fais ça, qui fait que... Oh, je fais ça. Je fais ça. Voilà, ça fait que je peux faire des exécutions tous les 5 trucs. C'est lui. C'est lui. Pouvoir 12, il a gagné ? Non, il a pas gagné en pouvoir. Il est parce que le mec que j'avais ciblé tout à l'heure était à 10. Pas de rook pour me faire monter? Personne? Non, pas de rook pour me faire monter en hauteur. Je vais faire gagner en hauteur, je pense. Ok, toi. Mais tu n'es pas seul. Ouf, où aller? T'as la gueule qu'il a, putain. Je compte bien te punir pour m'avoir donné autant de problèmes. Ah bon? J'ai donné tant de problèmes que ça? Ok, Berserker. Ok, fait chier. Ok, faut que je le stun comme ça, alors. Ça va, c'est lui que j'exécute. Putain, il me part même quand il est comme ça. Chier. Allez. Mauvais, putain, c'est mauvais que j'exécute. Allez. Pas perdu mon combo. Putain. Pourquoi ça marche pas? Ah!
C'est un clic de trop à chaque fois. Oh putain. Entre l'empoisonnement, qu'ils ne mettent pas. Allez. C'est lui. Ouais, c'est lui que je fais. Et. Voilà. Ouf. Et par exemple, si j'avais proféré une menace de mort contre cet enculé. Berserker qui s'en fout que son pote soit mort. Justement, je crois qu'il voulait prendre sa place. Par contre, là, il y a un peu trop de monde qui arrive. Les magnifiques. J'ai appuyé sur espace, salaud. Allez, on va monter ce Caragor, mon perso bug pas trop. Je vais tous les tuer d'abord, si je peux. Voilà. On va s'en aller de ce putain d'endroit. Et je crois que c'est, tout est bon. Je vérifie sur la map. On a nettoyé cette zone. On a plein de quêtes. Ça c'est embuscade. Donc là on a 3 quêtes de chef de guerre. Et sinon, à zone à nettoyer, j'ai cette zone là. Toute cette zone là, ça fera tout un épisode, je pense. Faut pas voir combien de parier pour attendre le mordeur. Donc, un épisode, deux épisodes les gens. Deux épisodes et on change d'endroit je pense. Donc on se fait qu'il y a encore des quêtes comme ça. Encore une quête de débloquer. Génial. Allez, une autre quête de débloquer. Bon, ça fait de l'XP, ça fait des sous, je dis pas le contraire. Oh quoi, putain, mais cette quête, elle est facile. Cette quête-là, on va se quitter sur cette quête-là. On fera une demi-heure pile-poil. Je vais descendre, voilà. Encore une quête de la... What? Où ça? Oh mec, je regarde. Ça, ça fait beaucoup de quêtes, quand même. Ici. Voilà. Punaise. Dieu merci. Je vous en prie, sauvez mon père. Allez vers là. Les Uruks le torturent à mort. Ça marche, ça marche. Moi je cherche juste un Uruk pour me téléporter. Tu vois. La portée de ce truc est géniale. Et heureusement qu'il y aura des flèches. Ça m'attendra ici. Je vais. Je verrai ça, j'espère qu'il ne me suit pas. Oh, c'est un truc de quête. Génial, ça prend encore plus de sous. Ah, pendant que mon Caragor est en train de se battre. Je n'ai plus de... Moi, c'est une flèche. Oh non, je vais laisser mon Caragor se démerder. Voilà, et on va faire la quête. Ah, Herberet Gidoni. Il chantait l'hymne lorsque je suis en train d'embuscade, ce man. C'est la toute dernière erreur que pire ses ennemis. Plus 200 gold! Génial. On a tué tous les archers. Il y a plein d'archers qui vont arriver. Je les tue. Un truc dans la tête, voilà. 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 J'ai encore pas mal de flèches, ça va. Voilà, on en ramasse. On ne mettra pas fin au combo, si c'est trop tard. Gagner un peu de concentration. On est perdu. Misère. Vite, je récupère des flèches. Allez. Plus que 3 headshots. Et je serai bon. De la merde là.
Elle a plus que deux headshots. Neuf. Et toi, tu seras le dernier headshot. What? C'était un headshot, ça! Salaud. Bon. Je dois avoir quand même pas mal de sous, là. En réserve. Je vais vérifier quelque chose. Non, pas dans la carte. Dans les améliorations. À ce niveau-là. Oui! Oui, je peux acheter ça. Et exécution illimitée pendant 20 secondes. Putain. Concentration illimitée pendant 15 secondes et flèches enflammées. Pendant 15 secondes, je one-shot les gens. Ou 20 secondes où je peux faire des éliminations furtives illimitées. On va prendre celle-là. Faut que j'appuie sur la touche 2, d'accord. Ok. Et je peux pas l'annuler? Heureusement, je ne peux pas l'annuler. Je suis là, la jauge se baisse et je ne peux rien y faire. Bon. Eh bien, les gens, la prochaine fois, je ferai peut-être des quêtes de la libération, je verrai. Ok. What? Il y a un truc qui vient d'exploser là-bas. Donc, le prochain épisode, ça sera dédié à nettoyer tout ça de quêtes. Puis, il y aura cette zone à nettoyer. Je pourrai enfin m'attaquer à cette quête-là. Le message. Eh bien, les gens, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'aide à gagner en visibilité sur YouTube. Bien sûr, si vous allez les aimer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, excusez-moi, je bug. Et je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout, jouez bien. Bye bye.